baby girl. Krispy Kreme lance une collaboration mondiale avec Mappel à l'occasion des... Justine, qu'est-ce que tu fais? Les Krispy Kreme, quoi. Je nous habitue à mieux, quand même. Ok, je le refais. Mes chers concitoyens, Krispy Kreme lance une collaboration mondiale... Justine, un peu de sérieux, quand même. Ah, les pauvres... Très sérieuse, là. Un peu trop à mon goût. Là, qu'est-ce qu'on fait, alors? Je m'en occupe. Okay, on se retrouve pour les 65 ans de Barbie, donc de la fameuse Barbie Mattel, pour une collaboration exclusive avec la marque de donuts Krispy Kreme. C'est mieux, ça. Eh, quand même, non? C'est Bref, donc du coup, aujourd'hui, on vous présente la boîte avec les 4 parfums de donuts exclusifs pour la collaboration. Ils sont donc disponibles du 3 au 22 septembre. Et on en a donc deux glazed. Les glazed, c'est les normaux de chez Krispy Kreme. Et puis, on a également d'autres parfums. On n'a pas encore lu le communiqué de presse parce qu'on voulait justement pas se spoiler les parfums. On va un peu se faire déguster comme ça, en mode sans trop savoir. J'ai hâte. Ouais, moi aussi, j'ai grave hâte. Tu veux commencer par lequel? On commence par le plus gourmand. Ok, donc il y en a un trop beau. On va vous faire des petits focus caméra. On va leur apporter, non? Tu leur apportes le violet? On teste celui-là, là, le petit violet juste ici. Ah, attendez, je le sors de la boîte. Et on lira après ce que c'est. Alors, on s'est littéralement foutu dans un parc. C'est pas hyper pratique, mais là, le soleil est arrivé et je pense qu'on est plutôt bien, non? Allez. Ok, vas-y, let's go. Ouais, tu me fais goûter? Allez, vas-y. J'ai peur. À la tienne. C'est bon, goûte. On sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. C'est sucré. Mais en fait, t'as l'impression qu'il y a un autre goût. Moi, j'ai l'impression que dans le glaçage, il y a genre de la violette ou du un truc, mais genre juste dans le glaçage, non? Ouais. Pas dans le beignet. Il n'est pas fourré, c'est juste un glaçage au-dessus. C'est Malibu. Anniversaire Barbie, non? Il y a moyen. Oui. Alors. Oui, c'est anniversaire Barbie. Joyeux anniversaire. Vermicelle. Barbie. Bah non, vermicelle colorée. A few moments later. C'est le strawberry and cream, les amis. On va un peu se rapprocher de vous. On est ultra loin. J'ai dit d'ailleurs une fois, on est ultra loin. Strawberry and cream, donc ils sont tous à 3,80€ l'unité. Et c'est un donut garni au fourrage iconique de Krispy Kreme et un fourrage fraise. Fourrage fraise, on n'a pas été assez longtemps, ma grande. Ouais, c'est ça, en fait, il est plus long. Vas-y, il faut croquer un peu. Et glaçage, oui. Et glaçage, en plus, on sort d'un brunch, alors je vous avoue qu'on est grave cali. Glaçage au sucre coloré et décor anniversaire. Donc en fait, celui-là, il a de la fraise à l'intérieur. Ah, il y en a? Ok, alors attends, à moi. Il y a une gueule. Oh merde. Ah, j'ai posé sur la caméra. On sent le strawberry. C'est bon, hein? Ouais. Vas-y, le bleu. Je vais refaire un petit focus. Alors, le bleu, je le trouve ultra mignon. Incroyable, regardez-moi. Ça fait de ouf le focus. Avec la petite maison, là, les genres de crumble par-dessus. Je trouve vraiment trop mignon. Goûte en boire. Goûte. Chocolat blanc, j'ai l'impression. Il y a une crème à l'intérieur. Je sais pas à quoi il est, mais... J'ai l'impression d'avoir un peu de chocolat blanc. Ouais. Coco? Coco. Peut-être coco aussi. Un crème avec des petits bouts de crumble. Ok, verdict. Allez, on regarde. Donc, c'est le Barbie Malibu, donut garni d'un fourrage parfum vanille, glaçage au sucre, brisure de palais breton pur beurre et décor Malibu Barbie. Ah ouais, incroyable, donc pas du tout de... Il n'y a pas de chocolat blanc, mais c'est vanille, mais vanille sucrée. C'est bon, hein? C'est ça, mais c'est pas mal, hein? Il est vraiment bon, celui-ci. J'adore. Ouais, on passe auquel, maintenant? Le rose. Allez, le rose. Je leur fais un petit focus. Un petit donut rose avec Barbie avec les lunettes de soleil, je le trouve iconique. Petite question, on dit rose ou rose? Moi je dis rose, et vous? Dites-nous en commentaire. Toi tu dis quoi? Bah moi je dis rose aussi. Rose. Mais j'ai l'impression que le sud dit rose.
C'est la ville rose à Toulouse. Est-ce qu'il y a des Toulousains parmi vous? Vous nous dites. On peut lancer le débat si vous voulez. C'est ça. Tu goûtes? Tu peux goûter? Il faut avoir une... Le glaçage, il est hyper crémeux. Ouais. Ouais, mais là, j'ai de la fraise. Ah bon? Je sais pas, j'ai un ressent. Il y a des petites perles de sucre là, qui croquent. Et bah, en fait, c'est le donut classique avec un enrobage au-dessus de... Oh, il est sucré, lui. Ouais. Ouh, il tabasse. Alors, c'est quoi? C'est celui-ci, c'est le strawberry and cream. Mais non, on l'a déjà eu. Justine, suis un peu. Ah, c'est le pink. Pardon. Ça me t'es pas fatiguée. C'est un donut, ce glaçage au sucre décoré d'une mousse rose. Donc, c'est ça la crème que je disais, elle est hyper voilà. Mousseuse. Confiserie rose et décor Barbie. Donc, confiserie, c'est les petits morceaux de sucre. Ouais. Décor Barbie. Et donc, en fait, c'est. Bah, c'est juste rose. Mais c'est pas. Il n'y a pas un goût. Enfin, il n'y a pas un parfum en particulier. Hein, on est d'accord. Bah, à part. Si, un petit goût. Ouais, un petit goût de rose, un petit goût sucré. Mais c'est. Mais il y a, ouais. Non, mais il est bon. Après, moi, je préférais celui d'avant, le Malibu, là, il est quand même incroyable. Oui, mais là, on va tester le dernier. Ok, le joyeux anniversaire. J'ai hâte. Je fais votre focus. Hop. Oui, on en a littéralement plein les mains. Il est hyper léger comparé aux autres. Moi, je pense que lui, c'est juste un glazed, vous voyez? Genre le donut glazed avec bah, les sparklings là, de... De Barbie. De Barbie et le glaçage chocolat. Ouais. Croque. Prise au dépourvu. Oh là là. Préféré. Ah ouais? Ah ouais. À ce point? Attendez, je sais pas comment croquer. Je suis une grande fan de chocolat. Et là, on sent vraiment. Ouais. Le glaçage, il est bien au chocolat. Et celui-ci, c'est le joyeux anniversaire Barbie. Ouais. Donut glaçage au chocolat et vermicelle colorée. Mais on sent vraiment le chocolat. Ah ouais. Non, il est vraiment bon. Vous pouvez trouver ces 4 donuts dans les 9 boutiques en France de Krispy Kreme jusqu'au 22 septembre. Donc dépêchez-vous. Ouais, parce c'est que en sinon... exclusivité. Donc là, vraiment, vous avez plus énormément de temps pour aller chercher. Vous avez encore à peu près une semaine. Donc vraiment, dépêchez-vous pour aller chercher les donuts. Ils vous sont aussi disponibles bah, à la pièce, pas forcément là en boîte. Et puis 3,80€ l'unité. Et dans les magasins. Et là, à Paris, bah, à Châtelet. Et ils y sont. Et en plus, Châtelet, il y a le décor. Et Passage du Havre aussi, à côté de Saint-Lazare. Mmh. C'est une nouvelle Et en plus, c'est trop mignon, le décor et tout ça. Enfin, vous pouvez faire des photos Instagrammables avec vos donuts. Vraiment, je vous recommande d'aller tester. Et de nous taguer. Ouais, et de nous dire si vous avez aimé et si aussi vous avez fait les fous à croquer dans les donuts et tout ça. Bref, dites-nous ça dans les commentaires. Mettez un petit like, un petit pouce par là-bas, je crois. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez retrouver d'autres vidéos comme celle-ci. Voilà. Un peu dégustation à la folle. À la naturelle. À la naturelle. Bah, au naturel. On a l'habitude. C'est nous, c'est la marque de fabrique. C'est notre marque de fabrique. Suivez les folles de l'aventure. C'est un peu ça. Bref, on vous fait des bisous. À bientôt. Bisous.